Salut et bienvenue dans ce Seigneur, mais 33e que s'est-il chapitre. passé ici? Alors avec ce chapitre, on aura C'est ton toutes les œuvre, armes Edward. des assassins. Ce que tu as déclenché il y a 6 ans n'est pas encore fini. Je ne suis pas un ami très convenable. C'est pour ça que t'es ici. Se battre aux côtés d'un homme aussi assoiffé de richesse et de gloire est une tâche ingrate, Edward. Et j'ai fini par comprendre que les assassins et leur credo offraient un chemin plus honorable. Ai-je été injuste? Non. Pendant des années, j'ai parcouru les mers en prenant ce qui me plaisait, sans jamais me soucier du mal que je faisais. Et regarde aujourd'hui. Je suis riche, j'ai une renommée. Mais j'ai rien appris depuis que je suis parti. Et quand je me retourne pour regarder le chemin parcouru, je ne vois plus aucun de ceux que j'ai aimés à mes côtés. Tu dois tirer un trait sur le passé, Capitaine Kanway. Marie, avant de mourir, elle m'a demandé de lui faire honneur, de réparer le mal que j'ai fait. Tu peux m'aider? Marie t'aimait beaucoup, Edward. Ce qu'elle a vu en toi lui a donné l'espoir que tu pourrais un jour nous rejoindre. Oui, elle me l'a dit. Et que penses-tu de notre credo? Je ne suis sûr de rien. Car si rien n'est vrai, comment croire en quoi que ce soit? Et si tout est permis, pourquoi ne pas obéir à ses désirs? Oui, pourquoi? Peut-être cette idée n'est-elle que le début de la sagesse, et non son aboutissement. Je vois que l'homme que j'ai rencontré il y a bien longtemps a parcouru un long chemin. Alors, qu'en penses-tu? Ça demande un peu de pratique. Deux attaques en un mois, j'aurais dû déplacer ce village depuis longtemps. Je suis le seul et unique responsable, mais je me battrai à tes côtés maintenant. Il faudra plus que quelques faits d'armes pour devenir un assassin, Edward. Une chose à la fois, mon ami. Ah!
voir, mon frère. Rapide et efficace, Edward. Prends la seule chose à aller. ¡Rápido! ¡Que no se escabulla! ¡No tienes escapatoria! À bord de son navire. ¡Puedo darle!